Ok, bon. Oh, shut up. Bienvenue dans cette première course baptisée au Schnapps. On retourne en Mazda après une époque où on était avec des amis qui sont il y a longtemps venus rouler avec nous. Il y a longtemps. Cette époque, on n'est plus amis depuis. Et on se retrouve donc avec cette Mazda sur Suzuka et c'est le premier tour que je fais avec cette voiture sur ce circuit. Je suis même pas sûr qu'en 5 minutes de qualif tu peux faire tes deux tours lancés. Oh, je pense pas, ouais. Oh, ça va être sport américain. Ça glisse, hein. Ça glisse. C'est pas tant ça. Bien, bien, bien. C'est réussir à pas trop tirer sur le moteur. Graphique ajustement, je m'en fous. Ah, il y a plus que 5 minutes en fait. Parce qu'il reste 6 minutes 41, donc on a le temps. L'épingle, première ou deuxième, toi? Je sais même pas. Je vais essayer en deux. Deux. Ouais, deux, ça passe. C'est terrible. Si tu peux repartir pied à fond. Ok, un arrêt au stand du coup. Non. Ça fait 13 tours. Parce que je pars avec le plein, moi, je fais la qualif avec le plein. Moi, pareil, je suis parti avec 12 litres. Au moins, on laissera les pros s'amuser devant. Les Les pros devant et nous, les pros lots derrière. Les pros devant, les pros lots derrière, ça marche. J'espère que ce sera prolifique. Ouais. 130 hertz, je soulage en 5. Ah, tu soulages? Levé de pied. Levé de pied. À fond, ça passe pas. Oh. Pareil, chicane en seconde. Elle saute. Okay, wing, wing, wing. Ah, c'était pas chance. Mal, mais. Ouais, pareil. En tout cas, les vitesses elles sont bonnes pour le setup. Yep. Moi je suis en boîte séquentielle hein, du coup. Ah oh, putain, bien. Ah oh, non, moi je suis encore en palette. La sixième à vendre. Hein. Tellement large avant les S. Et je la perds. Quasiment en sous-régime moi dans les S en 4. Ah, faut passer en 3, ouais. Tout le long en 4. Pas grave, on aura deux tours, on verra bien le deuxième, on prendra plus de risques. Tu penses qu'on aura assez deux tours? Oui, il me reste 4 minutes 20. Mon premier est mort, hein. J'ai fait tête à queue. Ça n'aide pas. Souple, c'est agréable à rouler avec en fait. C'est super souple. Ah, c'est sûr qu'on revient de loin. Hein. On sort de courses en NASCAR qui sont pas super bien passées. Et on s'est dit, boah, il est 3h du matin, allons faire de la MX5 Cup à Suzuka. N'a rien à perdre si ce n'est du rating. C'est vrai que c'est extrêmement souple. Hein. Ah oui, c'est ouf. Hein. C'est ouf parce que je lève quand même et Mais oui, c'est pareil. Alors et que ça va quand même au rupteur quoi.
Est-ce que le 130 R passe à fond selon Emeric? Ça peut. Oui, oui, je suis sûr que ça passe à fond. Moi, je soulage un petit peu, mais j'ose pas aller trop large. Je vais essayer, de toute façon, je suis déjà sorti ce tour-là, donc. À voir. Oui, 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 oui. Passe à fond. Par contre, tourne pas trop le volant, parce que sinon elle dérape. Allez, white flag. One more lap. Je suis cinquième pour le moment. Sixième. Oui, enfin, voilà. Vous avez compris l'idée, quoi. Ok. Deuxième tour, acheté à la poubelle. Je l'ai perdu comme toi, trop vite dans l'entrée. Voilà, voilà, voilà. Super, un quart contact et un off-track. Même pas fini la qualif. Ouais, il compte pas après. Oui, non, mais là, j'ai juste perdu l'arrière transfert de charge. J'ai voulu rentrer plus fort et effectivement, c'est pas la bonne solution. Ouais, non, c'est pas du tout la bonne solution. Donc, faut vraiment rentrer comme j'ai fait au premier tour. Mec, putain, je fais plus 25 si celui-là serait bien. Je suis à plus 30 là. Putain, faut vraiment. Tu veux dire quoi ? Tu peux gagner 30 de rétine ? Là, ta place, tu gagnes actuellement, tu gagnes plus 30. Ça se met à jour tous les combien ? Tous les tours ? Dès que tu doubles, dès que. Ok. Voilà, là, le mec devant, là, j'aimerais bien, là, plus 53, là, mais j'aurais pas autant. Là, je repère un peu, là, je vois que devant, ils sont... par contre, je suis toujours à 1809, c'est bizarre. Je vois 1389, le mec, là. Clean turn wall, MDR. Bah, moi, je vais serrer l'intérieur, je te le dis. Je vais rouler comme un vieux à l'intérieur, mais après. Allez, bonne course. Green, green, green! The car on your left. Still there. Clear on the left. Aïe 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 caramba! Il me fait peur avec sa voiture verte là. Ah, il zigzague beaucoup hein. Putain. Il me fait des. J'ai l'impression qu'il me fait des blocs pas, je sais pas si c'est volontaire mais. Quoi, j'ai eu un off-track ? Pareil. C'est quoi le délire là ? Et j'étais allé moins loin que toi, je pense. Mais lol. Ok. Ah non ! En fait, ça te met le. Ah, le 0 fois peut-être ? Non, le safety rating, je regarde en bas, c'est celui que tu aurais après en fait. Donc là, il me met 1820, c'est ce que je gagnerais. Enfin, le chiffre auquel je serais. Pour ça, prends ta chicane convenablement. Ouais, c'est parce que je regarde l'écran. C'est bien, avec ta bagnole, je fais de la pub pour tous mes sponsors. Ah non, on finit tout juste à naissance. Hein. Je sais pas si t'as vu en haut là. Mais... Oh t'es. Courageux! Cet endroit-là. T'occupes. Je
C'était pas méchant, hein, l'autocube. Ah non, 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 non. Putain. Le coup de faire le lambriage automatique, ça me fait perdre du temps, mais de fou. Eh, pareil. J'ai complètement raté. Ouais, t'es fort large, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, soit il a doublé très vite, soit il est à surveiller parce qu'il va partir à la faute. Sur le mec qui a 270 d'angle de braquage et qui est pas serein. Je me fais plus avoir le l'extérieur, j'ai pas compris quoi. Est-ce qu'il y a des appels de phare là-dessus? Là-dessus, est-ce qu'il y a des phares déjà? Mec, s'il me fait un freinage d'enfoiré. Non, ça va. Oh! Délestage, gros stress. Ah mais gamin, qu'est-ce... Et qui roule au milieu quoi. Du coup, off track hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'énerve pas. Left side. Clear on the left. Voilà, il s'est planté, c'est très bien. Ah bon? Bon, enfin, il est derrière, quoi. Il est en difficulté. Je l'ai senti le vibreur là, je te le dis. Allez, le sous-virage là! Oh! C'est ouf, hein! Putain, mes passages de rapport sont dégueulasses! Ah, moi c'est. Des brailles pourtant! C'est aux palettes, c'est horrible ça! Still there! Clear! Dans un groupe, toi. Ça sert à rien cet embrayage. Ah ouais, non, mais moi je le fais. Ouais. Still there. Stay on the right. Clear on the left. Thank you.
Mais Emric, on dirait la rentrée scolaire, t'es tombé dans un groupe, toi, y'a que des cons. C'est le verre, moi, qui me fait peur, hein, à chaque fois. Je t'avoue que j'essaie de cravacher pour pas qu'il revienne. Putain, je vois dans le rétro, hein. Ça se passe. The car on your left. Keep to the right. Clear. Left side. Clear on the left. Celui-là, il était pas mal. On va dire que tu l'aimes bien, Zurge, là, toi. Ah, bah, c'est ce qu'aurait dû faire Senna. Il te gueule dessus, t'as vu? Sérieux? Ouais, c'est lui, c'est Wet Z. Ah, ouais. J'entends même pas ta rage. Et je l'ai pas touché, j'ai rien eu, hein. Je sais pas si c'est après le mec d'après ou. C'est le mec d'après. C'est le vert. Oh, le sous-virage. Oh, le sous-virage venu de nulle part. Les pneus, hein. Ouais, ça commence à bien chauffer le train avant, là. Il fait tout le boulot, de toute façon. Ah oui, oui, si. C'est marrant, là, tu vois, je suis en 4. Ah, moi, c'est 3. Tous les 6 en 3. Ça dépend des passages. J'ai envie d'être en 4, en fait. Non, 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 non. Le premier virage, tu passes en 4 et après, tu... C'est ça. Tu retombes en 3, c'est ça, j'oublie... T'as pas assez de patates, ouais. C'est ému. Croyez-moi, je débraye, hein. Je suis en séquentiel, mais je débraye et j'embraye, hein. Donc, si je rate des vitesses, c'est compliqué. Là, le premier Degner, moi, je le prends en 4 et puis celui-ci en 3. C'est ça. Au début, je redescendais en 3, mais je perdais beaucoup de vitesse. Ah, moi, des fois, elle veut bien le prendre, des fois, elle... Bon, on est tranquille par ce qu'il y a derrière, maintenant. Alors 5 tours couverts. Il reste encore 13 minutes, on est au cap de la mi-course. Et on revient un petit peu sur Emric, quand même, hein. Ah, je te laisserai pas passer comme ça. Là, si je peux regagner des points... J'aimerais bien que j'arrête de tuer toutes les tous les moustiques de l'Asie sur mon pare-brise. J'aimerais bien que le SCR remonte un peu là. T'es à plus 47, je suis à plus 52, t'imagines? Ah oui, vu que t'es en. En classe. T'es en classe en dessous, B. Je sais plus c'est quoi, c'est B. Je suis en B, 4,99. C'est ça, tu gagnes plus en fait. Toi, tu le prends à fond, moi je soulage un petit peu en entrée pour l'inscrire en fait. Ah là, j'ai dû freiner en. Clé pneus usés. Ah bah voilà. Vous n'aurez jamais les plans du V2. Ils sont forts devant, parce que putain, ils sont partis. Chapeau. Moi, je me suis bien amusé, on a bataillé un petit peu. Ouh, les pneus. Ouais, toi, t'es en train de perdre ton train avant complet, là. Putain, j'ai pas pris de off-track, là. Je
c'était extrêmement généreux. Hein. Cet enchaînement, je l'aime bien. Après... Ouais, il faudrait 100 chevaux de plus quand même pour s'amuser. Non, mais sinon, moi j'aime bien la Mazda. Hein. Attends, c'est qui le mec? Ah, c'est un retardataire, putain. Ah bah. Vas-y, hein. Ah oui! Ah, est-ce qu'il. Oui. Je sais ce que tu veux dire. Qui t'attend pas? Il n'a pas intérêt, sinon il va se faire report hein, devant 20 000 viewers. J'ai fait un test d'appel de fin pour voir s'il y en a. Ah, j'ai pas vu. Ah, il laisse passer, non. Ouais. Thank you, guys. Est-ce que j'ai dit gaze ou guys, non? Whoop. Right side, clear. C'est ma super livrée bymax.fr qui l'a. Thanks, Nicolas. Toi, il te répond pas. Ouais, je crois que le mec a un contentieux ah, avec si, moi. Si. Ah! Si, si. Donc, c'est pas vrai. Motherfucker! Ah, si, tu reviens sur un. Puis à fond, ça passe. Oui, je reviens sur le mec devant. Et on revient, on est bien là. Il est loin. Putain, j'ouvre ma gueule, j'ai failli rater le freinage. Oh, je l'aime bien cette chicane. En fait, je freine trop tôt, j'ai remarqué. Yep, on a tendance à freiner au point où on freinerait avec une F1 ou avec une voiture un peu plus technique. Mais celle-ci, c'est pour ça que j'arrive à me faire un ou deux mecs de temps en temps au freinage parce que les mecs sont là, ils font. Ah ouais. Et ils oublient que bah tu peux freiner plus tard avec celle-là. Plus tard. Hein. Ne ris pas, dans le deuxième Degner tantôt j'ai failli freiner avec l'embrayage donc j'ai pas de leçon de pilotage à donner à personne. J'aimerais bien aller te chercher quand même. Hein. Je revenais un peu mais là t'as une deuxième jeunesse dans tes pneus je pense. J'ai compris certains endroits où je pouvais passer avec les vitesses en fait. Ah j'ai le voyant qui s'allume d'essence. Puis il reste 9 minutes donc à mon avis. Non mais normalement que le JRT me dit qu'on a assez pour finir donc. Ouais. Fuel to add j'ai moins 1,2. Moins 0,9. Ouais, le mec surconsomme. Un peu de lift and coast mon cher Amric. Je suis obligé de freiner ici hein, parce que sinon. Ah moi aussi je t'inquiète. Putain je reviens sur le mec devant. Pas grand chose mais. Je prends pas de off track là hein. Je suis très très généreux avec les bords de la piste. Hein. J'ai fait déraper à l'accélération. Ouais, tout à l'heure je me suis fait avoir aussi à la sortie de l'épingle. Ah, il reste 4 tours, il reste 5 tours d'essence. Ouais, 4.4. Ah, c'est pas mal hein, ce JRT, même pour les viewers. Si vous posez des questions sur l'état de la voiture, là vous avez toutes les réponses sans devoir changer de page ou d'habillage, c'est vraiment excellent. Oh, je t'ai vu. Ah non, c'est le rétro qui grossiste. Je croyais que t'étais juste derrière, je me suis dit, mais comment il a fait. Coucou. Ah, j'ai vraiment un problème avec cet embrayage. Hein. Ou je le déclenche trop tard, ou je le relâche trop tôt, mais. Ouais, ça passe bien fond, quoi, c'est ouf. Alléluia. Tu freines à 80 mètres maintenant. Ouais. You got about 5 laps of fuel left. Allez, il reste 5 tours de fuel. Et je pense que mon spotter Jimmy Johnson n'est pas passé. Jimmy Johnson. Hein. 4 tours, 3 tours. Ouais. Putain, c'est vrai que c'est short hein. Oh là là, ça y est, c'est à moi de perdre mes pneus maintenant, plus de train avant dans l'entrée là. Alors, comme tu dis, je pense que j'ai retrouvé. En fait, c'est peut-être que vu que j'ai compris plus tard comment freiner, j'ai moins usé peut-être. Je sais pas. Tu freines comment? On a. Oh putain!
Ok. Bonjour les pneus. Ouais. Bonjour les pneus, on va être copains, hein. Vous allez tenir les 3 tours qui restent, hein. Hein, hein. Allez. Allez, dis-moi oui. Andy, même s'il n'est pas là. Andy, voilà, il pensait à lui. Du fond de ses 100 émeux de Plaude. Bientôt. Sans il a intérêt. C'est le troisième pilote. C'est pas où le remplace, donc. C'est où tu viens... Où je te sors, où... Où tu sors, où je te sors. Il faut prendre une décision, hein, grand. T'es pas allé loin, toi, là? Non. Oh, t'es fort à gauche. Alors, attention, pas de politique, hein, mais... J'allais le dire, ah, politique, hein. Madame. Madame. Oh, je sais que devant, il est irrattrapable. Bah écoute, non, je vais rien dire, parce que ça me portait la Shkoumoun. Joli top 4. Oh, le mur. C'est pour ça que je tiens, je le dirai à la fin. Tu veux que je fasse mon Jean-Louis Moncey ou pas? Pour arriver premier, Enzo Ferrari disait qu'il faut premier arriver. Je te mettrai Yoda et deux. Et deux Jean-Louis Moncey. Oh, quand tu passes pied à fond, t'es là. J'ai peur de me reprendre le vibreur en, en retour de, de flamme, donc... Alors ce petit bruit aussi quand la roue, elle retouche le sol, ça me fait tellement penser à la Clio 4RS quand elle lève la papate, là, tch, tu sors. Ah, ça me fait penser au TCR comme quoi, hein. Oh. Eh, pour l'instant, on fait jackpot, hein. Ouais, j'avoue, plus 52, plus 47. Y'a un carbone, appuyez bien, signez ici, allez. Ah bon, pas le, car- en, le en karma, off- Ah mais oui, c'est clair. En offline, j'ai perdu moins 80, donc hein, j'aimerais bien... En off, en vidéo, off, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en offline sur IRC, oui, ce non, sera pour ouais. bientôt. Vivement les IA pour faire une belle carrière. Ah, est-ce que ça va être en tout seul ou pour s'entraîner ou est-ce que ça va être... Un mec coop direct, hein. Ou est-ce qu'ils vont les mettre pour combler les mecs qui s'en vont, je sais pas. Je sais pas comment... Ah, une IA qui comblerait peut-être, c'est pas faux. Alors dans ce cas-là, elle a intérêt à être irréprochable. Hein. Oh, ça doit pas être des drivatars de Forza, hein, parce que va y avoir des morts. Ou hein. Tu des mecs qui peuvent pas rouler à plusieurs, tu fais un... Je sais pas. Même pour t'entraîner en peloton, apprendre à prendre des départs, etc. Ah oui, ça, ça serait pas mal, ouais. J'avoue. S'il commence déjà par l'ovale, ça aiderait certains. Ah, je vise personne. Si je t'entends ricaner. Non, parce que moi je pense ça pour le Mans série, les mecs qui prennent des LMP1 qui savent pas rouler avec. On a compris que ça te saoulait, hein. Ah oui, non, c'est mais c'est trois vraiment... fois que tu le dis dans la vidéo. C'est un truc de ouf. En fait, les mecs qui prennent des LMP1, allez vous faire voir. Hein, je suis pas bon. Le meilleur pilote du monde, hein, loin de là. Hein. Mais. Mais alors, loin de là. Mais... J'suis... Je peux vous dire que ceux qui prennent des P1. En plus, quand tu leur dis, ah, pas de dive bomb, ils me font, ah lol, là, nous on n'est pas comme ça. Puis les mecs. Ben... Faut que je revoie la pression, enfin la course de mon embrayage. Elle est trop haute, moi aussi, hein, sur le. Non, elle est pas trop haute, elle est trop longue en fait. Oh. Allez, on va tenter à fond. Dans l'avant-dernier tour, il était temps, comme dirait l'autre. Merde, j'ai voulu regarder comment tu le passais, j'ai raté mon. Ah bah, on est deux, tu vois, t'as... J'ai regardé dans le rétro, je dirais. Bah, tu l'as bien passé, hein. Ouais, le 130R, ouais, la chicane. Ouais, ça, moi aussi. Tandis que je vois la voiture au loin, là-bas, tout au fond. Maldonado sur 20. Ouais, c'est Sanchez, mais... Ah, ils sont très très bons, les mecs de haut. Et derrière, 12 secondes, hein, donc... et 12 secondes pour les 3 derrière moi, donc c'est que vraiment... Il y a une baston derrière, en fait, vous avez une course sérieuse et calme, et derrière, c'est la foire d'empoigne, c'est la course du siècle, on le voit même pas en vidéo. C'est clair. Ah, t'étais dans le groupe, Eto à un moment, hein. Ouais, mais ça va, ça s'est bien défendu, proprement, on s'est laissé de la place, on s'est regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Bref. Bref.
mec, le setup, je sais il pas. Il est propre, hein. Ah ouais, j'ai... franchement. Ah, les VRS. Lol. C'est pas là-bas. Non, parce que les VRS font payant maintenant. Ouais, c'est ce que je dis, hein. Pour ah, les VRS. Énormément de choses, qui est dommage. Sur d'une saison à l'autre, hein. Ah, tu l'as mieux pris que moi, là. Ouais, non, j'ai un problème de course d'embrayage clair. Oh, mec, j'ai entendu la deuxième qui s'est mise, ça fait OLOM! Elle fait un joli bruit cette passe d'avant, j'aime bien. Ah, oui, oui. Ah, les plus belles courses pour moi avec cette caisse, ça a été Okayama. Ah, c'est un petit circuit, c'est sympa. C'était le circuit japonais qui était vraiment très, très, très serré. Avec des bonnes vitesses, des bons gros freinages. Laguna Seca aussi, il est sympa avec. Enfin, Laguna, pardon. C'est vrai, ouais. Mais elle peine un peu dans la grande ligne droite, je trouve. Elle est un peu genre. Ah bah là, dans la ligne droite, t'as avant le 130R. C'est un peu comme les gens qui parlent fort dans leur micro, tu sais. Ouais, très désagréable. Désagréable. Très fort. Bon, on est pas mal, hein. Ah bah là, royal. Moi, ça me va. Faut savoir qu'on en refait une, on perd le trip dans 2 minutes. Oh, c'est la course de trop après. Ah là, je l'ai soulagé, sinon. You have about 2 laps of fuel left. Ah, premier off-track, 4 sur 17. Je suis à combien? Ah ouais, t'es à 4, ouais, je vois. Je suis à 2. Ah, j'étais un peu trop généreux sur le bord de piste, mais bon, j'aurais pu en prendre le triple hein, depuis tout à l'heure, vu que j'étais très là, chaud dans les diagonales. Franchement, c'est très bien, parce qu'on remonte. Ça me soulage un peu, parce que j'étais un peu dégoûté, bah je vais pas en reparler, mais... Ça va me faire du bien. Tout est bon à prendre. C'est ça. Sauf ce deuxième virage où je souvire comme un sagouin. Ouh. Attention, il y a un peu d'herbe sur la piste. Bah, les pneus. Une petite frayeur en milieu de course, mais. Oui, le temps de se réadapter aux grippes, mais j'ai eu une perte. En fait, t'as eu une perte avant moi, puis moi j'ai eu la même perte quelques tours après. Un ou deux tours après, mais sinon, globalement. Globalement, la Mazda est très bonne. Je remercie les sites encore gratuits, les setups. Ah oui, tu ah quand oui, même. Oui, oui. Ah ouais, ça c'est totalement. C'était un bon truc de communauté, mais ils auraient pu faire payant, mais pas tout comme ça d'un coup. C'est. Bon, il y en a qui ont passé des nuits blanches à essayer de choper ce qu'ils pouvaient. Mais... Ah ouais. Et parce que pour la petite vanne, putain, je me loupe. Pour la petite vanne, moi j'ai passé le soir où ils étaient en train de tout transférer en payant, de prendre le maximum de setup. Pour je recréer voyais... un site et les revendre derrière. Je voyais au fur et à mesure que je descendais de catégorie que c'était hop payant, payant. Donc j'ai vraiment eu tout juste. J'ai pas tout eu hein, parce que. Ils sont rapides les boucres. Rapide, je suis flash. Je vais attendre la vraie ligne droite pour. Moi je voulais juste remercier le mec qui a fait ce skin Nvidia dégueulasse que vous avez depuis le début de la vidéo en vue TV. Désolé, mais écoutez, hein, dans la vie il faut faire des choix et celui-là n'était pas un bon choix. Si Emmerich se loupe à la dernière chicane et que je passe. Je crois que j'ai freiné, j'ai jamais freiné aussi tôt de ma vie. Je suis prudent. Je suis prudent. Allez, check red flag. Alors moi je remercie bymax.fr pour cette livrée. Max. Moi je remercie ce coup de volant magique qui m'a mis en 5ème position. Et bien voilà. JRT qui fait tweet tweet tweet. Attention, la ligne d'arrivée elle est ici. Voilà, et pas plutôt comme parfois certains se font. Alors là, faut ouais, bah on a dit really well, hein, comme dirait notre ingénieur, notre spotter. Super course. Ouais, pas trop de. Enfin, peu de bagarre au début, mais. Ah là, c'est pas le moment de prendre un. Là, je. Voilà, donc je pense qu'on va, on va s'arrêter parce qu'on a 13 secondes tous les deux. Et on n'est pas là pour se faire. Voilà. Bon, un peu No Man's Land, mais. Des fois, non, ça on s'est battu à deux. Ça fait... Ouais, ça fait du bien aussi pour.
C'était agréable. Voilà, le replay est sauvé, on va pouvoir faire ça en plus TV. Je pense que l'attaque au freinage était sympa hein, à un moment donné. Ah, t'en as passé deux, je crois, non? Ouais, j'ai jumpé un petit peu à la chicane, c'était fun. Je cherche le moment où le garçon m'était passé devant, voilà. Et j'étais resté un peu à ses fesses et ouais, j'ai fait l'intérieur dans le premier virage, c'était plutôt sympa. Et ensuite, je crois qu'il m'a repassé à l'épingle. Et après, ce freinage digne d'Ayrton Senna. Ayrton. Regarde, en fait, il freinait très tôt et j'ai juste freiné un chouïa juste après lui. Chouïa. Dépassement d'école à l'intérieur sur le vibreur. Ah, voilà, en fait, au moment où je le double, la voiture verte lui fait aussi l'intérieur et ils s'accrochent tous les deux, en fait. Ah. C'est pour ça qu'il a pris la radio et qu'il a râlé. C'était pas contre moi, c'était bien contre le gars. Et derrière, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'aventure iRacing. On se retrouve très vite avec ou sans Emric d'ailleurs pour une prochaine course. D'ici là, bon amusement en piste les amis et à la prochaine.